Coucou les coucous! De retour à Kazem. Donc, entre les épisodes, j'ai grindé un tout petit peu. Donc, dans le couloir ce que j'étais rendu, j'avais pas exploré au complet. Là, je pensais que c'était qu'il allait juste avoir un cul-de-sac. Fait que je suis en train de refaire tous les petits recoins pour me double-checker si j'avais oublié quelque chose ou whatever. Puis là, j'étais pas mal rendu à la fin. Puis j'ai réalisé qu'il y a quelqu'un qui est ici. Fait que je me suis dit, on va recommencer. On va recommencer à enregistrer maintenant. Une coupe d'heure qui s'est passée. Là. Puis depuis, j'ai complété le bestiaire de tout ce que je pouvais faire jusqu'à maintenant, peut-être avec une ou deux exceptions. C'est ça que je n'ai vu un, puis que je... Ouais. Mais, ouais. Donc, j'ai tout looté. J'ai pogné la rare, le common drop, le rare drop de toutes les créatures qu'il y avait. J'ai un paquet de nouveaux inventaires. J'ai un set qui est pour de la chance, mais j'ai aussi Ah, je l'ai checké, le bird hat apparemment. Ouais, il summon un bird qui t'aide. Qu'est-ce que c'est quoi la différence au Dark Helmet? On va essayer le bird hat, mais je pense que je vais vouloir quand même le Dark Helmet. Donc, j'ai trouvé une Combat Belt, qui est genre plus 8 d'attaque, just whatever. Un d'attaque, moins de défense. Un de défense. Quelque chose d'autre qui booste ma strength. Allons-toi! Je vais taper le pot en arrière. Oh, it's so nice to see a friendly face again. I'm Ethel, I run the tavern in Karthas. Most days I feel like I'm running the town too. Speaking of which, I should get back now and make sure everyone's alright. If you're ever hungry, stop by and I'll make you something good to eat. Alright. Allô? Ow. Le pit-pit a fait quelque chose, hein? Le pit-pit a pas l'air très très actif. Ah, le pit-pit a fait de quoi? Mais il fait pas assez de quoi. Fait qu'on va revenir au Dark Helmet. Sinon, dans la mine... Non, mauvais jump. Dans la mine, il y avait une pièce noire où est-ce que j'ai apporté ma lanterne. Et à l'intérieur, il y avait une switch, basée sur la switch, qui m'a ouvert un chest. Qui a donné le Book of Incantation. Moi, je veux revenir. Je veux pas venir par ici. Avec le Book of Incantation, on peut la ramener à l'espèce de... Ah! Gitane, qui est en ville, puis on va pouvoir upgrader nos spells avec. Ce qui va faire du bien. Puis il y en a un que je suis en train de hailler. Peut-être. Sinon, j'ai comme pas mal. Les autres, j'ai pas mis toute leur loot, fait que... Je me fais plus chier. Ah! À me battre contre ces affaires-là. J'ai pas réussi à trouver de pattern pour les débuter. Ok. Fait que j'ai été en ville, puis j'ai vendu beaucoup d'items que j'ai looté. Mais j'ai pas donné le Book of Incantation or whatnot. Je voulais faire ça avec vous.
Doc, oh, it's good to see you again. I could use your help if you have some time. My agreements have been running low ever since all this trouble began. Fortunately, I'm almost out of flour, which means I must ration how much I use. I'd love to get more creative, but first duty is to make sure the town doesn't starve. However, if you find 3 bags of flour, I will be able to restock the bakery. Please stop back when if you have some good news. Ok, toi tu vends de la bouffe que j'ai pas mal looté moi-même. C'était le common drop d'une coupe de monstre, là. Craft. La gold armor. Où es-tu, bergère? Prends ça. On va pas la faire full screen par contre. Je regarde le wiki sur le côté en ce moment. Armor. Gold armor. En ce moment, je crois avoir une... equipment. J'ai une silver armor. Fait que ça serait 1 de défense, puis 3 de int. Puis, je pense qu'il n'y a pas de meilleure armor. Fait qu'on va la crafter. Je préfère le Gilded Hammer, qui me coûterait 1 gold de plus, mais c'est une... C'est une grosse dune que tu swings par-dessus la tête, donc je me fous un peu. Tandis que ça, c'est juste des benefits across the board. On va sauver. Yo, Doc, you found my book of incantations. Perhaps you already know the gemstones have magical energy locked within them. Some gems are more potent than others, but more difficult to find. By using the incantation in this book, I can fuse that energy into your spell. Let me know when you're ready to begin. Fac. Pitcher le couteau. Alright. Upgrade. Magic knife. Upgrade. Il lance 2 couteaux. Upgrade. D'attaque, ok. Quit game. On la reload. J'ai 11 d'attaque, ok. Bye! J'ai perdu mon temps. Magic Molotov, s'il vous plaît. Équipement. Plus longtemps. Alright. Fait que genre, j'étais en train de hailler pour lui ici. Je suis pas convaincu. You know what? On va juste prendre toutes les spells. J'ai le cash pour. Upgrade la Magic Axe.
Je l'ai pas montré, fait qu'on va. Je sais de quoi il y a de ça de l'air, là. C'est basically la. Ah, oh, elle fait pitié un peu. Upgrade, Magic Axe. Aussi. 21, ok. Fait que ça l'augmentait de 1 ses dégâts. Fait que le boomerang. Rembourse pas mon mana. Upgrade. Fait qu'il y a de l'air d'aller plus loin. Toujours la même chose. 15 d'attaque. Game. Non. Non. Ouais. Manger un d'attaque. Fait que Shuriken, 11. Et toi, tu pitches en angle, ouais. Un peu stupide. No offense. Fait que tu le pitches en angle puis plus en angle. C'est stupide, l'upgrade c'est genre la passe qui est 50, après ça c'est 150, après ça c'est plus 100, puis après ça c'est plus 200. Quoi qu'ils aient pas mis dans l'ordre, fuck a fine là. Alright, ça monte quand même, c'est intéressant. T'as pas monté d'attaque par contre. Tu frappes beaucoup plus. Tu tapes pas mal plus de terrain. Et la Magic Crystal. Fait combien? 8. Quatre cristaux. Puis je pense que tu dures plus longtemps. Ok. Et je crois que ce sont tous mes spells. Maintenant, random question. Si je dis upgrade. Fait que je peux en monter un et deux tiers. Equip 11, 21, 12. On va faire la... On va faire la hache, point d'interrogation. Juste parce que c'est lui qui a littéralement le plus... le plus gros range. Coûte 3.
Je regarde leur mana price. Coûte 2. Coûte 2. Coûte 2. Coûte 10. Coûte 2. 1, 2. Fait que ça dure à peu près une seconde. For science. Je vais vérifier autre chose en premier. Oh, that's great news. You found Ethel, did ya? She's the heart and soul of this town, you know. And she keeps us all in line. Toi, j'ai trouvé trois stashes. Thank you for retrieving my money. I think it's time I found my hidden place that's closer to home. As promised, here is your cut. And you can also keep my shovel for your troubles. Thanks, Ango. Platinum. Platinum chain, platinum mill. Fait que... Ctrl F. Platinum Mail va rajouter une défense par rapport à ma Gold Armor. Je perds 5 de magie, mais je gagne 1 Strength, 1 Constitution et 1 Luck. Alright. Puis Platinum Chain, c'est un accessoire. Platinum Chain donne 12 de Magic à 12 de Int. Upgrade. Let's go for the axe. Locked in. Donc oui, j'ai trouvé les stashes de Dom, je pense. En tout cas, le gars qui est dehors, proche de la shop du maire. Et c'est basically quand il y avait comme trois layers que je pensais être la grosse stone. Apparemment, ça représente de la dirt et pas de la stone. Fait que tu peux prendre ta pelle et juste creuser à travers les trois layers. Garden. Parfait. All right. Deux points de dégâts. Je me rappelle, dernier épisode, t'en faisais 13. J'ai confirmé que
les ennemis donnent du diminishing return en termes d'XP. Fait que la majorité des ennemis que je peux me battre contre en ce moment me donnent genre 1 à peut-être 10 XP. Genre les slasher beasts puis les golems me donnent dans la dizaine peut-être. Puis tout le reste du monde me donne 1, je pense. Alright. Fait que la prochaine fois, on va actuellement faire du progrès. Et on va venir ici. Alors, je vais vous dire au revoir et à bientôt.